Alors, on reproche le texte euh, pas dans sa base, euh, son fondement. Aujourd'hui, est comment est-ce qu'on peut analyser le texte tel qu'il est paru, les décrets d'application Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que l'esprit. La première chose, c'est que quand la loi est votée, euh, c'est une loi qui fait l'objet, quand même, connaissant le contexte, on n'est pas très loin de l'élection présidentielle, d'un relatif consensus. Très peu d'opposition clairement exprimée, même une opposition groupe socialiste. Euh, qui a un peu de mal à chercher des objections, parce que, je me rappellerai, lors de la conférence de presse qui fait suite au rapport de Ligas, je sais qu'un sénateur communiste dira à l'un de ses voisins, qui me le répétera, il veut aller loin, est-ce qu'ils le laisseront faire Je suis allé jusqu'au bout, et je suis même allé beaucoup plus loin que certains rapports sénatoriaux ou même de l'Assemblée nationale qui avaient été établis. Je me suis inspiré d'eux aussi, mais je pensais qu'il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Ensuite, euh, comment vous dire Sur ce texte, nous avons une trentaine de textes d'application. Et une fois que la loi est votée, je mets les bouchées doubles pour pouvoir en publier le maximum avant que l'alternance ne joue. Si bien que sur les 32 mesures, il y en a plus d'un tiers, je crois qu'il y a 13 textes d'application qui sont pris dans les 5 mois. Après, le reste, je, je ne peux pas faire plus parce que autant de textes d'application en 5 mois, je ne vous cache pas que nous avons fait travailler les administrations pour qu'il y ait quand même la concertation le plus fortement, le plus rapidement possible. Et ensuite, la base est là pour que derrière, on poursuive ce travail. Et ce qui est vrai, c'est que le nouveau gouvernement, en dix mois, prendra à peu près une dizaine de textes d'application, mais il manquait le Sunshine Act, qui bien évidemment fait l'objet de, de discussions interministérielles pour commencer. Parce qu'à chaque fois, vous avez des ministères, j'ai même connu ça, où la, la santé, paraît-il, se veut intégriste, et puis parfois, dans d'autres ministères comme Bercy, euh, on, on nous dit oui, mais est-ce que vous n'allez pas pénaliser les intérêts économiques Arbitrage récurrent. Même quand vous avez un projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous avez ces discussions en disant la sécurité sociale, la santé veulent faire des économies. Très bien, mais si vous faites des économies, vous risquez de pénaliser économiquement les entreprises de santé. Donc, euh, ce dialogue n'est pas vieux comme le monde, mais il est évident qu'il trouve aussi sa place, notamment sur la question des seuils. Parce que quand commencent les discussions sur le Sunshine Act, qui n'est pas publié avant la fin, je refuse une première proposition à 60 euros. Je refuse une deuxième proposition à 10 euros. Je dis, si c'est ça, il n'y aura pas ma signature. Il n'y aura pas ma signature. Et donc, on retravaille ce texte pour qu'il soit à 1 euro. Et en définitive, vous le savez, le gouvernement suivant se retrouve confronté à peu près au même débat. Est-ce qu'il faut 1 euro Est-ce qu'il faut 10 euros Est-ce qu'il faut 60 euros À un moment donné, on manque d'imposer 60 euros, et puis au final, on transige, on transige à 10 euros. Alors vous allez me dire 1 euro, 10 euros, est-ce que ça change fondamentalement les choses Oui. Parce que pour moi, c'est une question de principe. Et, et le seuil de 1 euro, qu'on ne me dise pas qu'il n'était pas possible de le mettre dans la loi, bien sûr que c'était possible. Et en plus, les débats budgétaires en France ont une valeur juridique. Dans tous les débats budgétaires, je l'indique, nous ne pouvons pas mettre dans la loi le seuil. On dit qu'il sera fixé par décret, et je dis à chaque fois, un euro. Mais peut-être cela semblait-il trop intransigeant, trop intégriste, je n'en sais rien. On est à 10 euros, je le regrette. J'aurais préféré un euro comme je l'ai toujours indiqué. Avant, la valeur négligeable était à 30 euros. Mais c'est vrai que 10 euros, il n'y a pas de point de repère. Moi, pour Ça moi, un logé. euro, c'est une question de principe. Il ne faut jamais s'éloigner des principes dans des sujets comme ceux-ci. Bon. Euh... Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au moment où je vous parle, il reste encore quelques textes d'application qui ne sont toujours pas publiés et pour lesquels il faut mettre les bouchées doubles. L'autre reproche que j'avais fait au gouvernement, en m'adressant aussi au Premier ministre, c'est qu'on nous a beaucoup parlé de la transparence ces derniers mois. Transparence sur le patrimoine des hommes politiques. Sauf que ça ne sert à rien d'amuser la galerie avec des pseudo-transparences sur le patrimoine des hommes politiques et d'oublier que sur un texte aussi fondamental, il y a un projet de décret qui dormait depuis des mois et des mois. C'est aussi ce coup de gueule que j'ai voulu pousser et je n'oublie pas non plus qu'il y a un autre texte aujourd'hui qui reste en attente. Enfin, l'application la d'un autre texte, c'est celui sur le site internet qui doit être mis en place pour pouvoir rendre une bonne partie du dispositif de la loi Bertrand comme vous l'appliquez complètement opérationnel. Qui va gérer euh, ce site Internet et qui va assurer le contrôle Parce que nous la avons responsabilité du ministère de la Santé, ça a toujours oui, été... C'est c'est la HS, la DGS. Euh... Le ministère de la Santé, ce n'est pas la HS. Si, si vous remettez en cause l'indépendance de la HS... Non, 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 non j'entends bien, mais justement, qui, 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 qui veut... Qui, veut, dans qui dans aura de la main une autorité... Euh, non, je ne suis plus ministre de la Santé, dans mon esprit, c'était ministère de la Santé, c'est donc DGS. D'accord.